I want you to be horrified. Licorice Pizza. Not playing in movie theaters everywhere. Rated R. Under 17, not admitted without parents. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Good evening. It is 4:16 in the east coast of the USA. Il est 16h14. J'ai dit 16h16 en anglais. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis venu continuer avec la causerie sur la libération. Donc, essayons de partager ce petit live. Je vais garer là-devant. Je vais que je ne suis pas très loin. Je ne suis pas très loin du coin. Je vais garer. Nous allons causer. Je vais continuer avec la causerie sur la libération. Salut Martin Dufault. Bonsoir. Oh Céline, depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que c'est grave, Martin Dufault. C'est pourquoi il faut que je garde avant de causer. C'est pourquoi il faut garer. Il faut garer, causer, et puis continuer. Hein. Je sais que c'est grave. Mais le problème n'est pas de constater que c'est grave. C'est grave depuis 60 ans. C'est grave depuis 60 ans, peut-être plus. Et moi, je dirais que c'est plutôt embarrassant. C'est vraiment embarrassant de voir comment les nôtres traitent les nôtres chez nous. Car nous qui sommes ici, nous savons comment nous devons nous comporter pour que les gens nous écoutent. Malgré l'égalité des chances, malgré la liberté d'aller et venir, malgré les opportunités. Et quand on voit comment les nôtres traitent leurs semblables chez nous, vraiment, je dis qu'au lieu de permettre ce qui se passe au Cameroun en ce moment, il faut simplement accepter une recolonisation, peut-être. Ça, c'est le pire des cas. Mais la certitude, c'est que avec les nouvelles tendances, avec les nouvelles technologies, nous ne pourrons pas faire chemin retour. Nous allons sauf qu'aller de l'avant. Nous allons progresser. Donc, le problème n'est pas de constater que c'est grave, c'est de créer son petit groupe de winners. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les winners qui vont libérer le Cameroun parce que ce sont eux qui sont fermes. Ce sont eux qui connaissent la différence entre le succès et l'échec. Ce sont ceux qui connaissent la différence entre être un winner et être un loser. Les winners connaissent la différence. Les losers ne connaissent pas la différence. La différence entre être un winner et un loser, c'est le caractère. C'est le caractère. Nous vivons sur la base des principes, pas de l'émotion. Tes principes, c'est tes non négociables. Tes principes, c'est ce que nous appelons en anglais le human spirit. Tes principes, c'est ce qui te définit. Ça conditionne. Ça nous éduque sur le comment tu penses, le comment tu marches, sur ton entourage, sur tes décisions, tes principes.
Donc, c'est des gens de principe qui vont libérer le Cameroun. C'est des gens qui vont dire, avant tout et après tout, nous sommes des êtres humains. Et être ministre ne te confère aucune autorité sur le questionnement de mon existence, de mon humanisme. Être président ne te confère aucune autorité sur mon humanisme. C'est une question de principe. C'est ceux qui se voient comme des êtres humains. C'est des gens comme ça qui vont libérer le Cameroun. Ce sont eux qui vont former des groupes de protestation, des groupes qui vont conduire la désobéissance civile et déloger tous ces bandits. Je mesure mes mots. Déloger tous ces bandits de ce système qui contrôle la nation avec un bras de fer. Il s'agira pour les winners de montrer que un bras est un bras et chacun peut durcir son bras. Nous sommes conscients que le fer peut se plier. Tu chauffes le fer suffisamment. Je dis bien, tu chauffes le fer suffisamment, il va se transformer légèrement. Ça, c'est une vérité objective. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en France, en Europe, c'est valable en Asie, c'est valable en Afrique. Tu chauffes le fer, il va se transformer. Donc, ce que les winners vont faire, c'est chauffer ces individus. 60 ans, c'est beaucoup. 60 ans, c'est beaucoup. On ne peut pas jouer avec la vie des êtres humains. On ne peut pas enfermer des gens et que d'autres soient là en train de dire, vous avez vu leur face, ils sont courageux. Vous avez vu qu'ils n'ont rien fait, mais on les perd le temps. On les perd le temps et on perd le temps à la nation parce que quand tu vas voir le profil de ceux qu'on a enfermés, qu'on a embastillés, ce n'est pas de n'importe qui. C'est des gens qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à la population camerounaise. Et parce que c'est les losers qui sont aux affaires, ils ne permettent pas ça. Ils ne permettent pas l'existence de ceux qui peuvent faire du bien au peuple camerounais. Ils ne veulent pas de cela. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est les tordre le bras. C'est tout. Comment on tord le bras? On commence déjà à leur montrer qu'ils ne sont pas plus humains que nous. Nous sommes tous nés de la même façon, sans caleçon, muets et stupides. Chaque être humain a une date d'expiration. Tout le monde va mourir. Tu n'effraies pas quelqu'un avec la mort. Ici, on nous vend les armes, j'en ai déjà pour moi à la maison. Là. Si je ne veux pas de toi, tu passes devant ma porte, je prends soin de toi. Tu deviens histoire. Et puis maintenant, les avocats vont aller faire le travail devant le tribunal. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est là où nous sommes. Il ne faut pas permettre à ces gens de croire qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les Camerounais. 60 ans, c'est beaucoup d'années. 60 ans de recul. 60 ans de mépris. 60 ans d'abrutissement. 60 ans de bastonnade. 60 ans de tuerie. Dans les 60 ans, il y a eu des moments où ils coupaient les têtes aux gens et mettaient dans la rue. On ne traite pas un être humain comme ça. On ne fait plus ça. C'est comme les pauvres du Ku Klux Klan enchaînaient les Noirs et les tiraient à gauche, à droite. Ces imbéciles, ces avortons-là, ces idiots que pour bien nommer, ces voleurs d'argent de la canne et du Covid. Voilà ce qu'ils sont en train de vouloir implémenter. C'est de ça qu'il s'agit. Et malheureusement, pour le Cameroun, ils ont préparé certains losers dans le groupe de combattants pour venir distraire l'attention, pour venir, au lieu de mettre la main sur le problème, au lieu d'aider à ce que nous puissions atteindre notre objectif. Ils s'acharnent sur le MRC, ils s'acharnent sur certains individus.
Vous avez le pouvoir. Le pouvoir entre nos mains, nous tous. Je suis en train de dire que c'est une sauvagerie. C'est une bassesse sur le vampirisme. Je n'achète pas ça. Chacun peut utiliser son téléphone et dire la même chose. Parce qu'il est question pour nous de canaliser nos énergies. Nous avons un seul target. Le système de M. Biapol doit être éteint. Ça doit être éteint. C'est tout. C'est tout. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Tu ne peux pas jouer avec la vie d'un semblable tel que ce régime est en train de le faire. C'est un mauvais exemple pour nos enfants. Vous croyez que moi, je parle de ça, pourquoi? Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec la peur dans le ventre. La peur de ne pas pouvoir parler parce que on va les jeter en prison. La peur de ne pas... La peur d'étudier, d'aller dans certaines filières d'études ou bien d'avoir une communication ouverte, de s'exprimer ouvertement et de montrer que voilà, je ne suis pas en ligne avec cette philosophie. Cette peur-là, c'est-à-dire que tu grandis avec la peur, alors que tu es supposé avoir beaucoup plus de désir dans toi. Bonsoir, bonsoir, Clément. Vous comprenez, les gars? Je cherche le parking, je veux trouver le parking. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont en congé depuis un certain temps, hein, donc c'est le shopping à outrance. Si je suis l'avenue centrale chez moi, je vais garer quelque part là devant et devant et nous allons continuer avec notre causerie. C'est très grave. C'est très grave parce que nous laissons que ce soit grave. L'un n'est plus à s'apitoyer. L'un si. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le s'il vous plaît. Non. L'un si est à... C'est-à-dire que c'est le sagat maintenant. C'est ça. Maintenant, c'est sagat. Tu es plus important que qui? Ta main t'a mouché, le bon Dieu t'a déposé comme ça ici, nous passons tous par l'estomac. Et pour sortir, une maman va pleurer, elle gémit. Et parce que tu t'appelles ministre, parce qu'on t'a donné le titre ministre, ou président, ou premier ministre, tu crois que tu as le droit de prendre les enfants des autres, les enchaîner, et les autres vont regarder comme le cinéma. Regardez comme le cinéma, c'est sur vous. Mais moi, je suis en train de faire ma part. Moi, je pense que la théorie du 5 à la base que j'ai proposée, le système de libération, la théorie du 5 à la base que j'ai proposée, c'est un système de libération. Il y a beaucoup de systèmes. Il n'y a pas de secret de libération. C'est un système de libération qui tient compte des valeurs intrinsèques, comme la confiance, l'efficacité, la persistance, la persévérance, la détermination. La confiance à elle, c'est là deux facteurs. La transparence et la responsabilité. Cela veut dire que si nous sommes dans un groupe, c'est un pour tous, tous pour un. Et personne ne traîne les pieds. Ce sont les valeurs des winners. Ce sont les guiding principles des winners. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut. Et ça part d'une personne qui sélectionne 5 de son téléphone. Les winners ne sont pas des gens vulgaires. On ne les trouve pas partout. Le monde est bourré de losers. Tu dis bourré. Et donc, en développant la théorie du 5 à la base, j'assume que les gens vont créer une chaîne où chaque maillon va supporter l'autre. Une chaîne où tu es ton brother keeper, où tu es ton sister keeper. Si vous êtes 20, chaque élément de la chaîne a 19 garde-corps. Oui. Et personne, je dis bien, personne au Cameroun, aucun individu sur le territoire camerounais ne pourra vous intimider, vous arrêter ou tirer sur vous. Aucun cas vous devenez des êtres humains, vous revendiquez, vous manifestez votre humanisme sans remords. Coup sur coup.
du coup, c'est comme ça. Repousser l'esclavage avant que ça entre dans les eaux. Ils ont volé l'argent, la canne, on a enfermé personne. On a eu des faux observateurs de Transparency International. On n'a arrêté personne. L'argent du Covid volé, on n'a arrêté personne. Ils ont bloqué la route. On n'arrête personne. Brûler la maison d'une autorité, on n'arrête personne. Mais parce qu'on croit que quelqu'un a imaginé, quelqu'un a eu l'intention de marcher, on le prend, on donne 7 ans. Les gars, moi je parle ouvertement. Le plan que j'ai proposé est retraçable. Ok? J'ai proposé un plan de libération. C'est retraçable. Ils peuvent m'amener au tribunal aussi, s'ils le veulent. Vous voyez, je suis conscient de cela. Mais rassurez-vous, que si c'est de mon côté qu'ils viennent, beaucoup de comptes seront bloqués ici. Hein. Beaucoup de leurs comptes bancaires seront bloqués ici. Je vais leur mettre un avocat méchant. Il y a des gens qu'on ne tente pas, les gars. Il y a des gens qu'on ne tente pas. Qu'ils me suivent. J'ai fait une proposition pour la libération du Cameroun. C'est connu. J'ai présenté ça plusieurs fois. Venez m'attaquer. Fâchez-vous. Fâchez-vous, vous dites qu'il appelle à l'insurrection. Il faut le dire, si vous voulez. Il y a Céline qui pose une question là. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tout le monde a peur. Tu ouvres ta bouche, les portes de Kondengi et New Bell te sont ouvertes. Non, je vais te dire. Avec la théorie du 5 à la base, ils n'enverront personne à Kondengi, ils n'enverront personne à New Bell, ils n'interpelleront personne. Parce qu'il y aura réplique. Interpeller une personne, c'est déclarer la guerre. Ah oui, parce que si on lance la théorie du 5 à la base sur les 58 départements, tu touches à Douala, les gars descendent là-bas, ils prennent soin. Tu touches à Yaoundé, ils vont là-bas, ils prennent soin. C'est un groupe qui a une mission précise. Sa mission, c'est on n'accepte pas le retour de l'esclavage. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter parce que moi, je reçois des trucs dans mes inbox. Il y a des gens là qui m'écrivent, ils disent qu'ils sont du régime, ils ont ceci, le régime va monter, c'est descendu. Ce que je leur dis, je leur donne une ligne. Hein. Le Cameroun va changer. Tu peux être du régime comme tu veux, tu peux connaître qui tu veux. Tu peux avoir toutes les entrées que tu veux. Le Cameroun va changer. Nous n'allons pas accepter le retour de l'esclavage. 60 ans d'esclavage, c'est assez. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ça, Joël. Joe. Les gens doivent se mobiliser. Les gens doivent... C'est chacun qui forme son groupe. Il ne s'agit pas de suivre l'autre. Tu formes ton groupe. Tu n'es pas obligé de suivre l'autre groupe. Parce que les gens du régime peuvent aussi... Ils peuvent aussi suivre ma présentation et aller monter des groupes et se livrer à la police. Non. Vous ne vous livrez pas à la police et on n'arrête personne. On n'interpelle personne d'entre vous. Oui, parce qu'avec la théorie du 5 à la base, vous vous connaissez. Vous vous connaissez, vous formez une chaîne formidable, une chaîne puissante. Vous comprenez? Si vous absorbez cette pilule, si vous absorbez la pilule là, le Cameroun va vous dépasser. Parce que je vois loin. Ne vous laissez pas tromper par la canne. La canne, c'est du 9 janvier au 6 février. Ne vous laissez pas tromper par ça. Il faut que du 9 janvier
au 15 janvier, que les équipes sont en train de rentrer dans leur pays respectif. Parce que la population camerounaise a dit non à l'esclavage. Ok, bonne question. Baruch Ebi. Baruch Ebi demande qui va donc former ce groupe. Ça peut être toi. Ça peut être n'importe qui. Tu comprends? Parce qu'avec la théorie du 5 à la base, c'est toi qui vas rendre ton téléphone, identifier 5 personnes qui sont les Winners. C'est un groupe de minorités. Les Winners ne sont pas très nombreux là-dehors. Mais ils ont le caractère. Ils ont le human spirit. C'est ce qui va les maintenir dans la lutte. Personne ne peut les divertir. Tu cherches des winners. Si tu es winner, si tu n'es pas winner, non, ne fais pas ce que je dis. Parce que j'ai bien circonscrit. Mon échantillon, c'est dans la population des winners. Il y a 3 types de personnes là-dehors. D'après le psychologue Denis Wheeler, tu as les losers, tu as les spectateurs et tu as les winners. Les losers et les spectateurs forment la plus grande proportion. Tu as environ 80% de la population qui est losers et spectateurs. Et puis, les peut-être 20% ou 15%, c'est les winners. Et donc, le groupe de winners, là, dans ce groupe qui est de 20%, qui représente 20%, nous cherchons 2000 personnes. 1500 à 2000 personnes pour conduire le mouvement. Et c'est chacun qui forme son groupe. Que personne ne se cache derrière l'autre. Les winners ne se cachent pas. Vous comprenez, les gars? Empereur Boudou dit, tu vas attendre longtemps. OK. De Dieu, les gars, vous forez. Aïe, aïe, aïe. Attends, voir. Ah, non. Ok. Empereur Badoussa. Masque Evan Afadi, il faut bloquer. Oui, je l'ai bloqué, Max. Je l'ai bloqué. Qu'il écrive encore. Mes frères, il faut des winners. Ne croyez pas qu'on est en train de vous envoyer au feu. Non, pas du tout. Oui, je l'ai bloqué, Balasli. Je l'ai bloqué, il ne peut plus écrire. Et quand je bloque ici, c'est bien. Hein? Quand je bloque sur mon truc, là, ça te bloque partout, même sur YouTube, Twitter, tout ça, LinkedIn. Donc, il faut comprendre que moi, quand je parle de ça, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de mes enfants, de mes petits-enfants. Vous comprenez, les gars? C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas laisser des esclaves. Voilà! C'est ça. Parce qu'avec la théorie du 5 à la base, les gens se connaissent. On ne peut pas vous infiltrer. C'est pourquoi on ne peut pas suivre quelqu'un. On ne peut pas attendre Maurice Kamto, on ne peut pas attendre le MRC, et on ne peut pas blâmer Maurice Kamto, on ne peut pas blâmer le MRC. Ça devient une question de responsabilité intrinsèque. Ce que nous appelons en anglais « self-accountability ». C'est-à-dire que désormais, tu es responsable de la température de ton pays. Tu acceptes de participer au processus de transformation de ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Non, le temps n'est pas court. Le temps n'est pas court, mon frère. Tout ce que les gens ont à faire, c'est prendre leur téléphone. Prends ton téléphone, n'importe qui, tous ceux qui me suivent là peuvent former des groupes.
Tu peux former les groupes étant avec un groupe à partir d'ici, même à partir de là où tu es. Tu cherches 5 personnes. 5 même, c'est beaucoup, même 3. Tu cherches 5 personnes, 3 personnes qui sont des winners, qui sont courageux, qui sont intègres, qui sont honnêtes, qui sont véridiques, qui sont inclusifs, qui ont l'esprit d'équipe, qui sont positifs, optimistes, qui vivent dans l'espoir, qui comprennent ce que c'est que l'effort. Pas des jaloux, pas des malades, pas des gens qui lâchent, les losers. Ils font comme s'ils sont de ton côté et après ils te lâchent. Tu ne veux pas des gens comme ça. Et vous les connaissez tous. Nous savons qui est qui. Si tu parles avec quelqu'un, 2-3 fois, tu sauras que c'est un winner ou c'est un loser. Si toi-même tu es un winner, tu sauras que telle personne est winner. Parce que quand tu causes avec la personne, tu te recherches dans la personne. Moi, c'est comme ça que je teste les winners. Les losers, je les détecte très vite. Parce que à 2, 3, 4, 5 minutes, il devient ce qu'il est. Ou il devient ce qu'elle est. Et tu détectes et tu fais ce qu'il y a à faire. C'est tout. Désobéissance civique. La CAN qu'ils ont programmée du 9 au 6 février, là. Si d'ici le 15 janvier, les équipes-là ne sont pas encore en train de rentrer chez eux, c'est... Non. Ils doivent prendre l'avion, le 15, là. Ils doivent être en train de reprendre l'avion pour dire non. On va réorganiser la CAN, là. C'est comme ça. Bonsoir, Bastien. Bon. C'est comme ça que nous devons faire. Franchement, nous ne pouvons pas regarder de l'autre côté. On ne peut pas blâmer un peuple de cette façon. On ne peut pas marcher sur les têtes des êtres humains de cette façon. Je vous dis qu'ici aux États-Unis, même les racistes, même le Ku Klux Klan fait attention. Mais au Cameroun, ils sont tellement sauvages, ils se croient tellement tout permis. Merde! Mais les gars, est-ce que vous vous rendez même compte de ce que l'on appelle le temps? Le temps, c'est l'ingrédient le plus cher qui est à notre disposition. Hein. Quand tu perds une minute là, tu n'auras plus jamais cette minute là. Et le temps qui t'est garanti, c'est celui-ci. Demain ne nous appartient pas. Parce qu'on pourra ne pas voir demain. Et donc, il faut absolument faire ce que tu peux faire pendant que tu respires. C'est important. Vous comprenez, les gars? Donc, c'est la seule chose là maintenant. Et notre joker, c'est la CAN. La CAN va faire que la communauté internationale s'injecte rapidement. Parce que il faut que ça s'occupe du côté francophone, parce que du côté anglophone, là, hein, au Sahrawi Cameroun, les gars de l'Ambazonie vont réagir. Ça, on le sait. Ils ont écrit partout. Hein. Ils ont écrit, ils ont donné copie à la Fédération Camerounaise de football, ils ont donné copie à la Confédération Africaine de football, et ils ont donné copie à la FIFA, la Fédération Internationale de foot. Ils ont donné copie là-bas. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'intrusion sur leur territoire. Et nous les connaissons tous. Nous savons comment ils font. Nous avons vu les chars défiler aller là-bas. Et le retour, c'était des cadavres des militaires, des cadavres des civils. Et des enfants abandonnés partout sur le territoire, dans le pays, à l'est du pays. Donc, nous pouvons ne pas être d'accord, les gars. Nous pouvons ne pas être d'accord.
Mais nous devons nous respecter. Nous pourrons ne pas être d'accord. Céline dit que c'est parce qu'ils sont sauvages que chacun a peur. Non, écoute, je vais t'aider avec ça là. Le désir de réussir, le désir de fonctionner dans un espace humain doit être supérieur à la peur d'agir. Je peux accepter la peur, ok? Mais il faut qu'en termes de proportion, que dans ton corps, que le degré de peur soit vraiment faible, que ce soit minable, mais et que le désir de réussir, de réaliser, d'atteindre ton objectif soit beaucoup plus substantiel. Il faut créer cette proportion-là. Ça passe par ta capacité à embrasser le human spirit, c'est un caractère. Le caractère de Venus, c'est tout. Les gens ont peur de quoi? Puisque c'est un travail d'équipe, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Moi, je peux initier, j'appelle mes 5 personnes et je leur dis, les gars, cherchez aussi 5. Chacun de vous peut le faire. Et puis chacun agit dans son coin. Puisque la problématique de la confiance, ils ont tellement infiltré le système que nous sommes conscients. Et donc, tu ne peux désormais travailler en équipe qu'avec les gens en qui tu as confiance. Et je vais vous donner un deuxième avantage de la formation de ces groupes. Il est extrêmement important que chacun puisse former son groupe. Avec la digitalisation, la notion de groupe va prendre beaucoup d'ampleur. Des gens qui pensent pareillement doivent se mettre ensemble pour accélérer le processus d'enrichissement des membres du groupe. Parce que les groupes que vous formez là, ce n'est pas seulement pour la libération du Cameroun, c'est aussi pour continuer à dominer le monde ensemble. Un exemple simple, c'est Kézane qui sort à la fin de ce mois. Vous vous mettez dans Kézane en groupe là, vous pouvez faire vos cotisations là-bas, vous pouvez lever des fonds pour l'entrepreneuriat digital, facilement, parce que vous êtes nombreux, et vous partagez les bénéfices parce qu'il y aura traçabilité. Kézane est mondial, c'est sur les 5 continents. Ça sort à la fin de ce mois. Vous comprenez? Vous avez votre groupe. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'appelle ça le groupe des winners. C'est un groupe d'affirmation de son humanisme. C'est un groupe de reconnaissance des valeurs humaines. C'est un groupe de possibilités. C'est un groupe qui va exemplifier ce que les winners savent faire. Ils croient en eux et ils croient aux gens comme eux et ils respectent la différence. Donc, vous créez ces groupes-là, ne croyez pas que ça va finir avec le combat. Puis c'est juste que je vous dis de créer le groupe. C'est encore moi qui vais vous dire, mettez votre groupe sur Kézane. Voici comment vous pouvez faire pour lever les fonds. Voici comment vous pouvez faire pour créer une entreprise et que certains membres du groupe gèrent sur Kézane, c'est digital. Tous les actionnaires auront accès aux chiffres. Ils vont tout voir. Sur Kézane, il y a traçabilité. Ce n'est pas le cash qui va de main en main comme ça. Et ça va bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier à tout le monde. C'est un nouveau monde que nous sommes en train d'inventer. C'est simplement dommage que nous devons commencer par revendiquer nos droits sur notre territoire parce qu'il est question que le Cameroun soit libre. Le Cameroun est très riche. Le Cameroun est extrêmement riche. On n'appelle pas ça Afrique en miniature par hasard. C'est parce que de là, nous allons trouver beaucoup de choses qu'il n'y a pas ailleurs, qui n'existent ailleurs. Vous comprenez? Max Clément nous dit mais nous ne devons pas rester les bras croisés. Jamais. Il est temps de se surpasser de cette peur. Exactement, mon frère.
Qu'est-ce que Jean nous dit là? Jean dit c'est bien d'envoyer des innocents au charbon pour qu'ils prennent aussi leurs 7 ans. Pendant que. Ok. Jean n'a pas mis sa photo. Oh là là. Attendez, attendez un instant. Les gars s'amusent. Ok. Les gars, donc c'est le. Nous devons. Je m'excuse hein, du petit silence là. Je tente de lire certains commentaires et. Voilà, je me suis demandé s'il fallait que je bloque Jean, mais je vais le garder là. Il est un peu, il fait un peu rigoler. Donc, c'est un groupe qui va continuer, quoi. Ce n'est pas, ne croyez pas que c'est un groupe que vous allez créer juste pour la libération, non. C'est un groupe qui va œuvrer pour l'amélioration continue des conditions de ses membres et de notre pays, de la nation. C'est un groupe qui va exercer au niveau planétaire, à travers le digital. À travers le digital, parce que c'est disponible, ça sort à la fin de ce mois. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment aller dans son téléphone chercher des gens de confiance. Tu ne peux pas que travailler avec des gens qui sont là, rien que pour les tontines, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le sens, c'est pas moi, du bien commun, qui ne pense pas à une constitution communautaire. C'est pas seulement l'enrichissement, c'est pas, nous, en anglais, nous avons un mot, hein. Le selflessness, c'est-à-dire que tu es désintéressé. Tu es désintéressé, ce que tu fais, tu poses des actes parce que c'est bien. Parce que c'est bien pour tout le monde. Mettre un terme à l'esclavage est bien pour tout le monde. Ceux qui supportent ce régime, c'est des losers. C'est des losers qui supportent ce régime. Et être loser ne veut pas dire que tu es né loser. Être loser, c'est un choix. C'est un choix. Tu refuses de te faire examiner par toi-même et tu te mets plutôt à regarder à l'extérieur, à faire comme, à étudier telle filière comme, à acheter telle voiture comme, à draguer une femme comme, à te marier comme. Rien ne sort de ton intérieur. Tu vis de l'extérieur. En réalité, tu es ta photocopie. Or, le winner est authentique. Il sait qu'il est unique. Il sait qu'il est la résultante d'un œuf qui allait sélectionner un sperme sur 400 millions. Donc, il sait qu'il est spécial. Il sait qu'il n'est au-dessus de personne, personne au-dessus de lui, parce que chacun vient avec un talent. Et il sait que dans chaque situation, tout ce qu'il a fait, c'est faire de son mieux. Il sait aussi tenir la main des autres. Parce qu'il sait que personne ne peut avoir 20 sur 20 tous les jours. Le winner a des caractéristiques très particulières. C'est pourquoi on dit que la différence entre les winners et les losers, c'est le caractère. Le human spirit. Vous comprenez? Donc, Ceux qui sont en train de trouver des arguments en faveur de la continuité de l'esclavage, il faut les comprendre. Il faut les comprendre sans émotion. Il faut les comprendre sans frustration. C'est des losers. Les spectateurs, eux, ils sont là pour regarder. Ils sont spectateurs dans leur vie. Ils sont spectateurs dans leur pays. Vous faites ce que vous voulez. Le vent souffle à gauche, il va là à gauche. Ça souffle à droite, il va là à droite. Lui, il n'a pas de problème. Vous comprenez? Hein? Céline dit qu'elle n'est pas défaitiste. Elle dit, je ne suis pas défaitiste, mais comment je suis passé cette peur? Tout le monde a peur de la prison.
vu l'état des choses au pays. Non, non, non. Céline, si tu as peur, c'est que tu n'es pas winner. Les winners n'ont pas peur. Les winners signent d'abord un contrat avec eux-mêmes avant de faire quoi que ce soit. Le winner sait pourquoi il fait quoi. Tu comprends? Bon, si, tel que tu parles, Céline, tu es comme dans le pool des spectateurs. Parce que tu n'es pas loser, tu n'es pas en train d'encourager la continuité. Mais tu veux qu'on te convainque, tu veux qu'on t'explique exactement comment ça va se passer. Donc, il va falloir que tu travailles sur ce caractère de winners-là. Tu comprends? Céline, il va falloir que tu travailles sur les caractères de winners. Et puis, ça va sortir dans ton ADN. Bonsoir, Marie Beringamou. Bonsoir. Ça fait longtemps. Hein? Tu comprends? C'est tout ce que tu as fait. Parce que, je vais te dire, quand un winner décide de faire quelque chose, il le fait. Il le fait jusqu'à réussir. Ce n'est pas le nombre d'échecs. Ce n'est pas le temps que ça prend. Parce qu'il a un objectif. C'est comme ça que nous sommes. Quand tu sais ce que tu veux, ce que les autres disent ne compte pas. Ton passé ne compte pas. C'est ton processus d'avancement, d'ajustement vers cette destination-là. Et tu t'équipes des valeurs, ton caractère, ton human spirit. Ça te permet de naviguer le processus. L'objectif que nous avons ici, c'est repousser l'esclavage. Se refuser l'esclavage. Surtout que ça vient des gens comme nous, ça vient de nos frères. Ça vient des gens qui sont nés comme nous, sans qu'elles sont mieux et stupides. Ils ont fait mal à leur mère à la naissance. Et nous savons tous que nous allons mourir. Donc nous n'avons pas peur. Tu ne m'effraies pas avec la mort. Personne ne peut m'effrayer avec la mort. Je n'ai pas peur de mourir puisque je vais mourir. On ne connaît pas seulement la date. Personne ne connaît la date. Mais le problème avec certaines personnes, c'est que certains sont déjà morts. Surtout les spectateurs. Les spectateurs sont en général comme des morts vivants. Le vent souffle à gauche, il va à gauche, ça souffle à droite, il va à droite. Ils sont morts à 14 ans, on va les enterrer à 90 ans. Ils vivent comme ça. Les losers sont dangereux. Parce qu'eux, ils sont de zéro à moins l'infini. Tu tombes sur un loser qui est à zéro, il te tue. Parce que zéro est absorbant. Il te tue carrément, tu meurs. Tu tombes sur un loser qui a moins 1, moins 2, moins 3, il te tire vers le bas parce que les winners sont très loin en haut. Ils sont à 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 100. Là. Donc même si tu as 50, un winner, tu tombes sur un loser, une loser, qui a moins 1, tu dégringoles. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire des gens qui ont partagé leur vie avec les autres. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer ces personnes-là, ils étaient en train de progresser, ils allaient à un rythme exponentiel. Et dès qu'ils tombent au contact de ces gens-là, ça dégringole. Hein? Le football camerounais, par exemple, était très apprécié, très respecté jusqu'aux années 80. Après les années 80, quand M. Diapol est venu au pouvoir, le loser champion, le chef loser qu'il est, ça a dégringolé. L'harmonie sociale. Jusqu'aux années 80, il y en avait beaucoup au Cameroun. L'enfant appartenait à la cour, l'enfant appartenait au village. Mais M. Diapol est venu, il a tout divisé, il a tout fracturé. Et il a injecté les toxicités dans la société. Et les gens se méfient des autres. Mais à l'époque, avant les années 80, tout marchait. Exactement, tu vois, Guingassan nous donne une bonne analyse là. Il dit tout investissement public est transformé en don de BIA. Et les losers acceptent. C'est l'une des raisons d'endormissement des non-éclairés. Effectivement, c'est pour cela que nous devons parler. Voilà le rôle du coach. C'est ce que je fais. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut faire, Céline, tu m'intéresses. OK? Si tu veux développer les caractères des losers, je peux te donner un coup de main. Des winners. Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit des losers, non. Je ne souhaite à personne ici d'être loser. Jamais. Donc, nous avons tout perdu. Nous avons perdu toute notre crédibilité. C'est-à-dire que le Cameroun est divisé, c'est en guerre. Il a ramené tout vers le négatif. C'est ce que les losers font.
Et il a nommé des gens comme lui. Bird of a feather flock together. Des oiseaux de même niveau ensemble. Il a nommé des gens comme lui. C'est pourquoi vous pouvez voir un ministre de la République dire qu'il va envoyer le tsunami. Viens dire ça aux États-Unis si tu seras encore ministre pendant 2 heures de temps. Je dis, même à l'époque de Trump, qui se passait pour un dictateur, on a fait démissionner beaucoup des ministres, beaucoup de gens de son entourage. J'ai dit « on », c'est-à-dire les médias et les réseaux sociaux. Dès qu'ils tenaient des propos déplacés, démesurés, du genre « on va t'envoyer le tsunami », mon ami, ce tsunami-là te ramasse d'abord de ton poste. Ah oui, je peux vous donner des noms. Je connais beaucoup de noms. Certains étaient même des généraux retraités. Non, il faut respecter les gens. Surtout quand tu es mendiant, parce que ceux qui sont dans le secteur public, là, sont des mendiants. Céline dit, donc, les 25 millions de Camerounais sont des losers, alors aucune personne normale n'accepte la situation aujourd'hui au pays, mais à peine 10% réagit. Comment faire pour vaincre cette peur dans la tête des Camerounais? Céline, tu as donné une bonne statistique. Tu as donné une bonne statistique. Tu dis à peine 10% réagissent. Disons que 10% des 25 millions, c'est les winners. OK? Je t'ai dit que dans la méthode que j'ai proposée, là, je suis au téléphone. Si j'étais à la maison, j'allais te montrer la théorie du 5 à la base. J'espère que vous avez tous vu. Si tu m'as suivi hier, j'ai discuté de ça avec le docteur Kam quand nous étions en train d'échanger. J'ai développé la théorie du 5 à la base. Je dis que c'est 1000 personnes. 10% de 25 millions, c'est beaucoup, c'est plus de 1000 personnes. Mais moi, je dis que 1000 personnes qui partent d'une personne, un winner, qui va dans son téléphone et sélectionne 5 winners. Je suis sûr que dans ton téléphone, tu as au moins 200 noms. Tout le monde n'est pas loser au Cameroun. Non, pas du tout. Voilà, il y a notre ami Missoul Tim qui dit que les Camerounais vivent comme des touristes. Aujourd'hui, ils vivent aujourd'hui comme des touristes dans leur propre pays. Chacun attend son tour. Bon. C'est ce que le régime veut. C'est ce que les losers veulent. Le loser ne veut pas que tu prennes la responsabilité de quoi que ce soit, de ton pays et même de ta personne. Quand tu es loser, tu es la photocopie de ta personne parce que tu ne vis pas de l'intérieur, tu vis de l'extérieur. Quand tu es spectateur, tu ne vis de nulle part. Quand tu es winner, tu vis de l'intérieur. Et quand tu vis de l'intérieur, tu sais que tu es unique. Quand tu vis de l'intérieur, tu sais que tu ne vas jamais te comparer à quelqu'un. Quand tu vis de l'intérieur, tu sais que tu as quelque chose de particulier. Quand tu vis de l'intérieur, tu sais que tu as des valeurs qui vont te permettre de naviguer les complexités de la vie. Quand tu vis de l'intérieur, tu sais que pour être équilibré à l'intérieur, il faut que ceux qui sont autour de toi, à l'extérieur, soient à peu près comme toi, donc des winners. Tu vois? Donc, le problème n'est pas... Nous savons ça. Nous savons que le régime est en train de transformer les Camerounais en moutons. Le régime est en train de faire que beaucoup de Camerounais ne vivent pas leur authenticité, qu'ils puissent vivre leur photocopie. Or, nous savons que la photocopie ne sera jamais l'original. Un winner est authentique. Il est authentique parce qu'il vit de l'intérieur. Il sait qu'il compte. Il sait qu'il a un génie. Il sait qu'il a un talent. Et il est conscient que chacun en a. Et donc, il n'est pas condescendant. Il est respectueux. Il sait que un chemin sans embûche n'amène nulle part. Il sait que chaque fois qu'il se fixe des objectifs, il y aura des cailloux, il y aura des serpents, il y aura des dipers sur la route. Mais ça ne va pas le décourager. Il va utiliser ses valeurs et naviguer ses complexités-là jusqu'à atteindre son objectif. Tu vois un peu? Nous ne sommes pas là pour pleurnicher. C'est pourquoi je suis très positif. C'est pourquoi je suis très optimiste. C'est pourquoi j'ai pris le temps de réfléchir sur un système de libération que j'ai proposé. Si j'étais émotionnel, je devais venir simplement pleurer. Non. Je sais que c'est possible. C'est possible d'avoir un Cameroun amélioré. Parce que
dans tous les pays du monde, le pourcentage des winners est très faible. Vous comprenez? Mais seulement, quand tu es winner, ce qui est dans ta tête, ce qui est dans ta tête en termes d'espoir, est ce que Monseigneur, le faux Monseigneur Desmond Tutu, avait très bien décrit. Monseigneur Desmond Tutu avait dit que l'espoir est la capacité de percevoir la lumière malgré l'obscurité ambiante. L'espoir est la capacité de percevoir la lumière malgré l'obscurité ambiante. Ta perception, c'est ta vérité. Il existe trois types de vérité. Ta perception, la vérité politique et la vérité objective. Ta perception est scotée à tes valeurs intrinsèques. Ta perception, c'est ce que tu ressens dans tes veines, dans ton corps. C'est ce qu'il y a dans ton subconscient. C'est ce que tu as planté, arrosé jour et nuit. C'est ta perception. Si tu as une mauvaise perception de quelqu'un, le jour que tu vois la personne, ton corps projette un non-verbal négatif. Et si tu ne fais pas attention, tu vas sortir des expressions négatives vers la personne. Parce que ta perception, c'est le résultat d'un processus programmatique ancré dans ton subconscient. Et donc, nous, les winners, nous vivons dans l'espoir constante. Quelle que soit l'ambition que nous nous fixons, nous savons que nous pouvons les réaliser. Le plus important, c'est de développer un processus et de marquer des petits pas tous les jours vers cette ambition-là. Quels que soient les obstacles. Je dis bien, quels que soient les obstacles. Les obstacles, il y en aura, c'est normal. Quelqu'un d'autre disait, hein, c'est mon mentor qui le disait, qu'un chemin sans embûche n'amène nulle part. Et l'autre disait que quand tu prends une colline, celle qui est la plus complexe, celle qui va le plus t'essouffler, est celle qui a la meilleure vue. C'est-à-dire que dès que tu arrives au sommet, tu as la meilleure vue du paysage. Donc, comprenons tous ces obstacles et ne dormons pas dans la peur. Là, je suis en train de parler aux spectateurs. Parce que les winners comprennent déjà ce que je suis en train de dire. Quand tu es déjà winner, tu es sûr de ce que tu fais. Et tu n'embrasses pas des choses pour embrasser. Tu sais pourquoi tu embrasses. Moi, je sais que l'esclavage est dangereux. Aristote disait, ce n'est pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. Je ne peux pas voir comment on est en train d'esclavagiser un peuple, surtout mon peuple, et regarder de l'autre côté. Je ne peux pas, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas. Et si vous êtes encore là, depuis 53 minutes, c'est parce que nous sommes à la même page. Bonsoir, Amoni Chaka. Elle a raison. Florence Zomodi ici, elle dit, les Camerounais n'ont pas peur. C'est juste qu'il n'y a personne qui les convient, qui les démontre et les assure pour l'avenir. Alors, comme on ne peut pas se retrouver comme au Rwanda, on mange et boit nos bières en attendant. Florence Zobo, ça c'est ton analyse. Ok Florence, c'est ta perception. Et je vais te dire, tu es très présente sur mon plateau, tu es supposé être oui dans Florence. Parce que ce que tu écris là, c'est les losers qui écrivent comme ça. Hein? Honnêtement par là, tu sais, je t'aime beaucoup. Hein? Même comme je ne suis pas souvent d'accord avec certains de tes écrits, tu ne peux pas généraliser. Tu es en train de décrire le comportement des losers qui veulent la continuité. C'est ce que tu viens de décrire. C'est les losers qui écrivent ce que tu as écrit là, Florence. Tu étais winner, tu allais prendre l'initiative. Tu vas dans ton téléphone, prends l'initiative. Moi, je suis en train de sensibiliser les spectateurs. Et toi, tu as porté des choses comme ça. Là. Florence, toi aussi. Franchement,
que ce notre ami Moussoul Tim écrit. Il dit, je pense humblement qu'il faut un état de choc pour réveiller les Camerounais. Quand nous observons la manière avec laquelle le peuple banalise la vie humaine aujourd'hui, il est clair que ce peuple est déshumanisé. Constat juste. Constat juste. C'est pour cela que les winners doivent prendre le bâton de commandement. Ils doivent s'organiser. Et s'ils font ce que j'ai recommandé, ton rêve sera une réalité. Parce que la recommandation, c'est quoi? Désobéissance. Ils vont faire des marches sans demander la permission. Et si on arrête une personne, le commissariat sera reconstruit. Voilà le premier choc. Si on ouvre le feu sur une personne, le destin de la personne qui a ouvert le feu sera le même que la victime du feu. Voilà notre choc. Ils vont marcher, ils vont arracher leur indépendance. Ils vont inspirer beaucoup de spectateurs à devenir des winners. Et peut-être certains losers vont baisser les bras et devenir des winners. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a la solution à ta préoccupation. Tu comprends? Donc, Amonicia Kaïsia, voilà, elle a illustré la perception. Donc, vous comprenez? Donc, quand Monseigneur Desmond Tutu dit l'espoir est la capacité de percevoir la lumière malgré l'obscurité ambiante. L'obscurité est même plus qu'ambiante au Cameroun. Vous comprenez? C'est une sauvagerie à nul autre pareil. Les gens ont bloqué les routes. Le RDPC a bloqué les routes. On a vu comment des officiers supérieurs sont allés se mettre à genoux devant des civils pour qu'ils débloquent la route et laissent les gens partir. Le ministre de l'enseignement supérieur est dans un village. Vous savez, tous les temps qu'il a fait la réunion parce que les gens ont cassé les ponts qui ne rentrent pas. On les a promis un peu d'électricité, un peu d'eau. Et les gens de ce village-là se plaignent aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Et on n'a arrêté personne. La maison du sous-préfet a été brûlée, incendiée pendant les élections du RDPC. Personne n'a été interpellé. Mais on prend les autres humains. On prend des êtres humains. On dit qu'ils ont imaginé qu'ils devaient faire une insurrection. Qu'ils devaient faire une marche. Et on les met en prison dans 7 ans. Nous avons vu des faux observateurs de Transparency International. C'est même usurpation de titre sur notre télévision. Est-ce que Charles Dongo a démissionné? Non. On a arrêté qui? Personne. De grâce. De grâce. On ne négocie pas son humanisme. On ne négocie pas son humanisme. Valentin Djibo, bonsoir. Céline, nous les winners, nous ne mettons pas notre destin aux mains de quelqu'un. Nous ne pouvons pas. Maurice Kamto est un winner. Et il fait ce qu'il a à faire et il le fait si bien. Vous comprenez? Mais les autres winners doivent se réveiller et faire leur part. Parce que Maurice Kamto ne peut pas tout faire. Maurice Kamto a déjà augmenté le rang des winners au Cameroun. Il a éveillé des consciences à travers son comportement verbal et non verbal. Donc maintenant, les winners doivent se réveiller et prendre le bâton de commandement. On ne va plus, il faut laisser Kamto tranquille là où il est. Il a sa stratégie. On le laisse avec sa stratégie, mais les winners doivent se réveiller et prendre le bâton de commandement pour évoluer. Masoul Tim dit, je partage ton analyse. Merci mon cher. Vous comprenez? Donc, Amouni, ça ce qu'a dit, le père Lagdo a initié un mot d'ordre, stade vide, pendant la canne sucrée. Voilà donc un leader. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Ceux qui peuvent le suivre vont le suivre. Mais nous, les winners, pour moi, ce n'est pas stade vide. Pour moi, c'est non à l'esclavage. Il faut un courant de winners pour dire non à l'esclavage. Parce que ce que le régime a fait, ce que le régime a implémenté, en pratiquant un double standard flagrant, c'est dire que si tu n'es pas avec eux, tu es esclave. Oh, ils sont une bande de losers. C'est pas juste. Bon, pour le père Lagdo, c'est le stade. Non, moi, je dis que la communauté internationale étant au Cameroun,
la CAN va se dérouler du 9 janvier au 6 février. Il faut que le 15 ou le 16, que les équipes commencent à prendre l'avion pour rentrer chez eux. Cette CAN ne doit pas finir. Ah oui. Ah oui. Et il faut que les gens du régime, que nous puissions, nous devons être tellement clairs. Nous devons tellement être clairs avec les gens de ce régime sur tu touches à un être humain, on te mange, on te touche. Être ministre, ministre ne veut pas dire par balle. Ministre ne veut pas dire par maquette. Ministre ne veut pas dire par caillou. Vous comprenez? Et chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Il ne faut pas. Il ne faut jamais voir quelqu'un en train d'abuser l'autre et ne rien dire. Il faut dire arrêter, cesser et même appeler la police pour intervention. Si ça ne va pas entre deux êtres humains, nous avons un système de justice là. Nous avons la justice. Va au tribunal. C'est pas ta place de cogner sur quelqu'un, cogner, peut-être parce que tu te crois plus fort. La justice va te dégonfler. Donc, ce que nous voulons au pays, ce que nous voulons au Cameroun, c'est une justice équitable pour tout le monde. Les gens ne peuvent... Mais qui n'a pas lu le rapport de la CONAC? N'est-ce pas, certains ministres sont supposés démissionner? Parce qu'ils sont cités dans le rapport? Comment, quel est l'instrument qui te permet de mesurer ce que quelqu'un pense? Pour aller arrêter quelqu'un et l'administrer 7 ans parce qu'il a pensé que... Vous comprenez, les gars? Merci Jean-Flaubert Mogou, Sandio. Comment ils ont fait ça? Ça, ils sont en train de ramener l'esclavage. Et moi, je suis en train... Ne croyez pas que je vous parle comme ça. Je parle aussi aux Noirs-Américains ici. Parce que j'aurais besoin de leur... J'aurais besoin d'aide ici. De certains Noirs-Américains à un moment donné. Il y aura des sessions, j'aurai des shows où je vais causer avec les Noirs-Américains, leur dire que, écoutez, pendant longtemps, vous nous avez accusés de vous avoir vendu parce qu'ils nous accusent. Vous nous avez accusés d'avoir nourri l'esclavage. Guess what? Vous aviez raison. Au Cameroun, pays où je suis né, il y a esclavage. Et ceux qui pratiquent l'esclavage camerounais sur camerounais, c'est des Noirs que les Blancs ont trompés. On les a fait croire qu'ils sont Blancs. Et ils croiront qu'ils peuvent traiter les autres comme des moutons. Nous aurons ce débat. Et ils vont proposer des stratégies ouvertement. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une blague. La condamnation, les 7 ans que ces individus ont écopé, ce n'est pas à cause d'eux. Hein. Ce n'est même pas à cause du MRC. C'est l'intention de continuer à un rythme exponentiel. Ce plan vampirique, ça va absorber ton enfant, ça va absorber l'enfant de ton enfant et ça va continuer sur des siècles. Ce n'est pas la blague. J'ai proposé mon plan ouvertement parce que je suis prêt, si les moyens sont disponibles, à participer à la coupure de cette corde que les gens sont lancés, qu'ils ont jeté sous les coups des gens. Je vous assure, ce n'est pas la blague. Ne prenez pas ce que je dis à la légère. C'est un message pour nous tous. On ne fait pas ça. Prenons les statistiques. 7 étudiants camerounais à 35 ans au moins. 70% des Camerounais. Hein? 70% des Camerounais, c'est 35 ans au moins. Ça, c'est une jeunesse. 70%, c'est 7 sur 10. 7 étudiants camerounais, c'est 35 ans au moins. C'est la jeunesse.
On devait les enseigner le courage. On devait les enseigner l'initiative. On ne devait pas les imposer des limites. Parce que le monde est en train de changer. Le monde devient un village global. Nous devons les préparer à marcher la tête haute, même quand on leur pousse au sol. Pas les rendre esclaves chez eux. Et quand tu es jeune, tu n'apprends pas par ce qu'on te dit. Tu apprends par ce que tu vois. Donc ces gars savent ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement pour eux, nous sommes là pour être des véritables contrepoids. Moi, je parle sans émotion. Et dans ma stratégie, j'ai pris un échantillon d'une portion de la population. Quand je parle de winners, de losers et de spectateurs, ce n'est pas mes expressions. Il y a un psychologue américain appelé Danny Whaley. C'est lui qui a fait ce travail de segmentation après une étude qui a duré. Il a vu que dans chaque peuple, il existe trois types. Les winners, les losers et les spectateurs. Je vais revenir là-dessus, sur ces détails-là. Mais je vous ai quand même dit ce que c'est qu'un winner. Vous comprenez? Donc, c'est important. C'est important de préparer notre jeunesse. Nous devons préparer notre jeunesse à aller conquérir le monde. Nous ne devons pas être là à l'abrutir, la diviser, la fragiliser, tuer sa confiance, la transformer en photocopie. La photocopie ne sera jamais l'original. Prends un document, fais la photocopie du document et compare. Ce n'est pas juste. Nous voulons des enfants authentiques. Nous voulons un peuple authentique qui comprend ce que c'est que le respect, qui se respecte, qui respecte les autres. Quand un ministre ouvre la bouche pour dire qu'il va envoyer son ami, il va envoyer ses parents, la famille. Quand tu as tout un régime, le président de l'Assemblée nationale avait dit qu'il connaisse les gens de Boko Haram. Il a dit ça à l'Assemblée. Qui connaît les gens de Boko Haram? Il connaît ceux qui tuent les Camerounais. Et les gens sont restés tranquilles, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Beaucoup de spectateurs. Les losers, eux, ils sont là pour tirer vers le bas. Ceux qui ont vraiment peur, c'est les spectateurs. Les losers n'ont pas peur. Les losers font tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Les losers, c'est ceux que le régime a recrutés, qui sont en train de multiplier les inbox aux activistes. Ah oui, ils écrivent en désordre et ils prennent des screenshots si tu leur réponds pour reporter à leur base. Et quand ils t'approchent, c'est pour voir s'ils peuvent te mettre dans la poche, c'est pour voir s'ils peuvent te faire tomber du côté du pouvoir. Mais quand ils trouvent des winners, quand ils trouvent des gens de conviction, ils deviennent arrogants. Parce qu'ils bavardent, rien ne bouge. On t'ignore même, tu continues à écrire. J'ai des preuves de ce que je dis. Bonsoir, Flo Polidor. Bonsoir. Merci, Collins Chiaka. Donc, nous devons nous réveiller. Ne mettons pas la responsabilité de cette mission, c'est une mission lourde. Ne laissons pas ça aux mains d'un individu. C'est une conviction. Et si tu es convaincu, tu vas dans ton téléphone, tu cherches 5 personnes. Vous formez votre système, votre chaîne. C'est tout. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Mais l'ennemi, c'est ce régime. Voilà l'unique ennemi que nous avons. Et pour faire face à l'ennemi, tu t'équipes d'armes solides. Tu t'entoures des gens comme toi. C'est tout. Les gars, c'est très, très grave. Attendez. J'aurais
un débat avec un groupe de lois américains. Tout ce que je leur ai déjà dit. J'ai dit qu'au Cameroun, l'esclavage est en train de revenir en force. J'ai expliqué, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais cherche les armes, tu vas abattre ces gars. J'ai dit, mais mon frère, je vais entrer comment avec les armes? Ici, les gars ne perdent pas le temps. Ils disent, get a gun. C'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il te dit. C'est ça. King Hassam dit, promet 15 pour ceux qui iront manifester pendant la CAN. 10% de la population est très au-delà du pourcentage capable de faire tomber exactement. Pour mieux endormir le peuple, la communication du FF croit qu'il n'y a personne pour diriger le Cameroun. Et une fois cette manipulation passe tranquillement, le rôle de Win, c'est d'aider beaucoup plus de spectateurs à changer. Exactement! Exactement, Ginga, ça c'est ce que je fais. Parce que je vous assure que si je me tais, bon, combien parlent là-dedans comme moi, sur cette ligne-là, où nous sommes vraiment en train de prendre nos responsabilités, où nous sommes en train de faire la promotion de la responsabilité individuelle, pas manipuler les gens. Nous ne sommes pas là pour manipuler les gens. Et quand je parle, je suis tellement clair. Je ne m'adresse pas aux losers. Mais les spectateurs m'intéressent. Les winners m'intéressent. Mais ceux qui doivent guider les spectateurs, c'est les winners. Parce que le spectateur, là, il ne connaît, il ne comprend vraiment pas grand-chose. Le vent souffle à gauche, il va à gauche, ça souffle à droite, il va à droite. Le spectateur, c'est les véritables victimes. Mais le loser, c'est quelqu'un de conscient. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit détruire. Les losers supportent le tribalisme. Les losers supportent la division. Vous comprenez? Ils sont là pour tirer d'autres vers le bas et tuer. C'est ce que ce régime fait. Regardez le Cameroun. Depuis que le feu président Ahidjo a passé la main, ça ne fait que dégringoler. C'est losers. Et la sauvagerie ne veut que s'accroître. Tout ce qui est négatif s'accroît. Ce n'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué de voir ça. C'est pas compliqué. Donc maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est proposer une méthode d'organisation. Vous voyez, les gars? C'est ça. Non, on peut pas compter sur Kamto pour ça. On ne peut pas. Hein? Bastien m'a dit, non, le Cameroun n'est pas perdu en mer. Hein? Bastien m'a dit que le Cameroun est un Pacobo perdu en mer. Non, le Cameroun n'est pas perdu en mer. La preuve, c'est que nous avons fait le diagnostic et nous avons proposé une solution. Hein? Il y a espoir, je vous dis qu'il y a espoir. Il faut toujours se souvenir de cette citation du feu Desmond Tutu. L'espoir est la capacité de percevoir la lumière malgré l'obscurité ambiante. Il faut toujours se rappeler cela. Et je dis tout le temps que l'espoir n'a pas de ligne d'arrivée. Vous voyez donc l'alignement entre les deux concepts. Nous devons garder espoir. Le Cameroun va changer. Je vous assure qu'il y a quelques losers du régime qui écrivent dans mes inbox tout le temps. Hein? Hein? Il y a Stéphane Song qui est très dur là sur les losers. Mon frère, tu as raison. Mais la vérité, c'est que chaque winner doit aller dans son répertoire téléphonique chercher 5 winners comme lui. C'est très facile de sélectionner des winners, mais les winners sont rares. Vous comprenez? Trouver quelqu'un qui est véridique, qui est honnête, qui est intègre, qui est juste, qui ne poignarde pas au dos, qui est inclusif, qui a l'esprit d'équipe, l'esprit de un pour tous, tous pour un quand vous travaillez ensemble. Hein? C'est très, très compliqué. Je suis sûr que si tu as 200 contacts dans ton téléphone, tu ne vas même pas, tu vas difficilement trouver 5. Très difficilement. Le winner qui est dans ton téléphone est la personne qui est comme ta confidente. C'est-à-dire que tu appelles, tu parles, la personne ne te poignarde pas au dos. Quelqu'un t'appelle et parle de toi, le winner te dit demande à la personne de te parler directement et t'appelle pour te dire la transparence.
la responsabilité. Voilà deux éléments qui garantissent la confiance. Ça garantit la confiance entre les individus au sein d'une famille. Ça garantit la confiance entre les individus, entre amis et même au sein des organisations. Exactement. 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 Voilà Ginga, ça qui nous dit, orientons le regard vers le positif. C'est ce qu'a fait la Chine. Exactement. Voilà. Bastien Bom nous dit, il n'a jamais été gouverné. Chaque parti du Cameroun a été morcelé et remis à chaque dignitaire pour mater le peuple. Aucune politique de développement, jamais de politique budgétaire des losers. Tu as raison. C'est ce que les losers font. Ils divisent. Et ils mettent des gens là pour vous abrutir. C'est ce qu'ils font. Bastien Bom, tu décris bien là. Donc, nous devons simplement nous mettre ensemble. Nous apprenons de ce qu'ils font et on fait exactement le contraire. J'ai souvent donné des conseils aux gens que quand tu regardes le pauvre, ne le fréquente pas. Mais apprends de ce qu'il fait. Ne fais pas ce qu'il fait parce que c'est ce qui donne la pauvreté. Le riche, tu peux apprendre du riche et tu seras riche. C'est un exemple banal. Hein? Il y a des riches qui sont losers. Voilà. Valentin Djimodi, la jeunesse d'aujourd'hui n'a vraiment pas connu le Cameroun des années 70 et 80. Du coup, ils veulent faire leur propre expérience. Tu as raison. Tu as raison. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas aussi fait notre travail, Valentin. Nous n'avons pas... Les médias ont été pas en la faveur du peuple. Les médias ont été à la faveur des losers parce qu'ils ont passé plus leur temps à nous parler de nos limitations et non de notre potentiel. La communication sur le potentiel est en train de reprendre le terrain. Ce plateau, par exemple, a pour mission de parler du potentiel humain. Quand je te dis que tu es né unique, quand je te dis que tu es spécial, quand je dis que chacun est un cadeau, quand je dis que chacun a quelque chose, c'est pour que tu ailles à l'intérieur de toi chercher ton potentiel, le découvrir et l'élargir. Parce que avoir le talent n'est pas tout. Quand tu découvres ton talent, c'est-à-dire que tu vis de l'intérieur, et quand tu vis de ton intérêt, c'est-à-dire ton authenticité, rien au-dessus de l'authenticité, tu découvres donc ton talent et tu le nourris. L'effort est important. Tu parles à n'importe quel champion, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Michael Jordan, que ce soit n'importe quel grand Tiger Woods, ils vont te dire, que ce soit les Sister Williams, ils vont te dire que l'effort, la pratique, le travail, il faut travailler, il faut pratiquer. Même dans le développement mental, nos coachs nous disent qu'il faut lire. Mon coach, la personne qui m'a formé, n'a jamais fait d'études universitaires. Il n'a même pas le baccalauréat. Mais à ses débuts, il lisait 120 livres par an. 120 livres par an, c'est moins de 10 livres par mois. Et ça faisait qu'il était sollicité pour faire des présentations, pour communiquer, et il se faisait de l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas faire une présentation quelque part aux États-Unis, c'est 75 000 $ l'heure. Quand il va hors des États-Unis, c'est 220 000 $ l'heure. Beaucoup ont ce salaire annuel. Je te dis qu'ils n'ont pas le baccalauréat. Donc, il ne s'agit pas de là où tu es, mais d'aller découvrir ton talent. Il savait qu'il était un baba, talent, et il fallait maintenant structurer son bruit. Il l'a structuré. Hein? Et il ne s'agissait pas d'avoir des diplômes, mais de faire un sens quand tu parles. D'apporter de la valeur ajoutée à l'être humain. Et donc, ceux qui avaient des doctorats, des masters et tout, l'inviter dans les organisations pour parler. Aujourd'hui, ils continuent à le faire. Vous comprenez, les gars? Donc, chacun a son talent, chacun a son génie. Il faut aller le chercher et le nourrir. Et le nourrit. Quand tu vois les grands joueurs, les Mbappé, ils pratiquent beaucoup, ils s'entraînent beaucoup. Les Messi, Lionel Messi. Vous savez, Lionel Messi n'est pas né comme ça. À la naissance, il était un chétif. Il n'y avait aucun indicateur à sa naissance qui projetait la posture qu'il a aujourd'hui sur le plan mondial. Quand il joue dans une équipe, les autres jouent à son rythme. Ah oui, on vous entraîne tous, mais vous jouez au rythme de Messi.
Parce qu'il a découvert son talent, il a pratiqué. On ne veut pas l'endormir avec des méthodologies. C'est comme ça. Chacun a ça. Et voilà des conversations que je mets sur la table ici pour créer des aha moments. Donc, vous qui me suivez, afin que nous ayons des Camerounais authentiques, c'est-à-dire qui sont en train de vivre leur réalité et non leur photocopie. Parce que quand tu vis ta photocopie, tu es hors contrôle. Quand tu vis ton authenticité, tu es au contrôle de toi, tu es au contrôle de ton environnement. Tu comprends que personne n'est au-dessus de toi, tu n'es au-dessus de personne. Et donc, chacun fait de son mieux. Il n'y a pas de complexe. Ce que nous sommes en train de dire à ceux qui nous dirigent, c'est que vos titres ne nous impressionnent pas et que vous n'avez pas le droit de nous chosifier, de nous transformer en moutons. Et nous allons... Écoutez, personne ne connaît sa date d'expiration. Chaque être humain a une date d'expiration. Et donc, tu ne ferais personne avec la mort. Les gens doivent boycotter la CAN, les gens doivent marcher. Et il n'y a que les winners qui peuvent le faire avec conviction. Parce qu'ils comprennent tout ce que je viens de dire. Il n'y a que les winners qui peuvent faire ce que je viens de décrire avec conviction parce que ça fait partie de leur ADN. Tes valeurs, ton caractère. Il n'y a que les winners qui comprennent ça. C'est pourquoi je ne m'adresse qu'aux winners. Les losers, non. Ils vont faire leur travail. Décourager. Douter. Mesdames et messieurs, le doute et le désir ne peuvent pas vivre dans le même corps. C'est à chacun de travailler pour muscler la veine de l'optimisme, pour muscler la veine du positif. Vous comprenez? C'est un travail qu'il faut faire. Et nous le faisons à travers des affirmations. Je forme des gens qui doivent développer des affirmations qui sont en ligne avec leurs valeurs et leurs aspirations, leurs objectifs, ce qu'ils veulent deviner dans la vie. Quand tu te conditionnes en lisant ça 4-5 fois par jour, tu deviens cela. Aristote disait, tu deviens ce que tu te dis à tout moment. Tu deviens ce que tu te dis régulièrement. Donc, prendre un papier, mettre tes affirmations là et les lire au quotidien, tu te conditionnes, tu te donnes une direction, tu sais là où tu vas. C'est comme ça que tu es en train d'enlever les mauvaises herbes. C'est comme ça que tu es en train de te conditionner différemment. Parce que beaucoup de Camerounais, surtout ceux qui sont nés sous l'ère de M. Biapol, ont été conditionnés pour être des losers. D'où trop de sexe, trop d'alcool, manque d'humanisme, la justice populaire va croissante, la solidarité meurt. Il tue la solidarité. Un exemple de tuer la solidarité, c'est les fonds de suivi qui sont dans les banques au Cameroun, bloqués par le régime des losers, parce qu'ils ne veulent pas que les Camerounais qui ont une main forte puissent porter assistance à ceux qui ont une main faible. Les gars, l'histoire, c'est grave. Ce n'est pas la blague, je vous dis. Et nous devons mettre un terme à ça. Nous devons mettre un terme à ça. Je continue avec les commentaires parce que vous écrivez très bien là. Il y a Stéphane Son qui est très dur là. Valentin Edimoudi, le régime joue avec la jeunesse. Le ministère des Finances court derrière les jeunes en leur vendant des rêves et les promesses qui ne tiennent pas. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas responsables. Céline nous dit, si tu trouves 10 winners, le gouvernement ouvre les portes, le porte-monnaie, les winners deviennent subitement des losers pour l'argent. Voilà la réalité du pays. Même si on veut rester positif, le Camerounais va du côté où souffle le vent fort. Non, c'est que tu n'es pas winner. Céline, si on peut te corrompre, c'est que tu n'es pas winner. Demande-moi mon histoire, moi qui te parle. Si on peut te corrompre, c'est que tu n'es pas winner. Ok? Le winner n'est pas corruptible.
Maurice Kamto est un winner. Il est entré dans le gouvernement pour sauver Bakassi. Il avait le dossier de Bakassi en main. Et l'équivalent, la personne avec laquelle il traitait au Nigeria, était ministre au Nigeria. C'est pourquoi on a fait de lui ministre délégué, pour qu'il ait l'accès direct et négocier ce dossier. Donc ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il est entré là que les gens peuvent déduire indirectement, nous connaissons ce cas-là. Voilà. Bon, les gars, franchement, 1h25 minutes, c'est beaucoup. Et vous avez des questions? Vous avez quelques questions? Je peux prendre deux ou trois questions. Je peux prendre deux ou trois questions, mais vous avez quand même compris. Ne laissez pas ces responsabilités à qui que ce soit. Surtout toi, Céline, va dans ton téléphone, cherchez 5 winners et élargissez-vous. Que chaque personne qui me regarde. Merci, Céline. Céline, merci. Tu es venu ça pour ça, c'est formidable. Mais tu as dit quelque chose là, ok, un peu compromis, hein, ton leadership. Donc, pas de doute, ok? S'il y a la peur en toi, il y a deux choses dans la vie. Hein. Tu as la peur, tu as le désir. Le désir, c'est ce que tu veux devenir. Le désir, c'est tes objectifs, c'est tes rêves que tu veux réaliser. Bon. Quand tu connais ton désir, tu développes un plan, tu avances vers ton désir. La peur ne doit pas t'arrêter. C'est-à-dire que ton corps ne doit pas abriter la peur. Il y a des choses que tu dois accepter. Il y a des choses que tu acceptes sans avoir peur et comprendre. Quand tu avances vers ton désir, quelqu'un te met les bâtons dans les roues, sache que c'est l'embûche. Ça fait partie du processus. Tu vas faire des erreurs en tant qu'être humain. Tu es être humain. Hein? Tu acceptes tes erreurs. Tu n'utilises pas ton passé comme un frein sur le processus d'avancement vers tes aspirations. Les autres vont parler. Tu sais que ceux qui vont parler, c'est les losers. Quand tu tombes sur un winner, ce qu'il fait, c'est qu'il t'encourage. Tu tombes sur un winner, le winner ne te pousse pas vers le bas. Le winner ne va jamais te pousser vers le bas. Le winner sait que tu es spécial et que tu auras ton expérience. Donc, quand tu ouvres la bouche, et tu présentes une situation au winner, il va avec toi examiner comment contourner pour avancer. Le loser va mettre le couteau dans la plaie. Le loser va te ramener ton passé pour dire que oui, tu avais échoué déjà ceci, tu avais déjà divorcé là-bas, tu avais déjà fait ceci, donc tu ne peux plus faire cela. C'est des champions du découragement. Le winner comprend les embûches. Et il te dit, ça fait partie des embûches. Il te parle. Il te ramène au point de winner. Et tu continues à avancer. Donc, tout à l'heure, quand tu disais que la corruption, machin, non. Ce n'est pas une conversation de winner, ça. Moi, quand j'ai affaire au winner, il y a des acquis. Quand je te déclare winner dans mon cahier, il n'y a pas de doute dans nos conversations. Quel que soit ce que tu dis, ma réflexion, c'est sur la stratégie. La stratégie. Comment on va réaliser cela? Parce que je sais que c'est possible. C'est ça, c'est ce que nous sommes. Vous comprenez? Voilà, d'accord, merci. Là, tu es très juste. Céline nous dit, ce que j'ai dit plus haut, reflète 50% des Camerounais, pas moi en tout cas. Excellent, Céline. C'est un bon chiffre. C'est un bon pourcentage, c'est une bonne proportion. C'est 50% là, parce qu'il y a plus de losers et de winners que des spectateurs. Donc, c'est possible, je suis d'accord avec toi, que 50% des Camerounais sont des losers. OK? Et tu auras un bon 30% là, 35% qui sont des spectateurs, et tu auras peut-être un 10 ou un 15% qui sont des winners. Donc, là, tu as bien fait ton alignement. Merci pour le correctif. Nous sommes ensemble. Amoureuse de ma vie, dit que quoi? Il y a un winner féroce. Il y a un winner féroce au Cameroun. Répondant au profil d'Annie Scorpio, je souhaiterais que vous étudiez la stratégie avec lui
et il sera le leader parallèle qui nous amènera dans le soulèvement populaire. Moi, je suis winner et je suis déjà dans son groupe. Nous attendons juste son plan de signal. Amoureuse de ma vie, je ne vais pas juger Dani Scorpio. Mais je vais te dire que je n'ai pas été d'accord quand il a dit que Campio devait rester dans l'hôtel. Je n'ai pas été d'accord avec lui. Tu comprends? Nous, les winners, nous ne jugeons pas les gens. Nous montons notre plan. Je suis en train de vouloir que chacun qui me suit là, vous êtes en train de tourner entre 60 personnes. Je dis, je veux que chaque personne qui est en train de me suivre en ce moment aille dans son téléphone, créer son propre groupe de winners et commencer à poser les actes sur le terrain. Je vous ai montré comment tu peux partir de 5 personnes à 1700 personnes en un temps record. C'est votre mission. Que chacun le fasse, ne nous accrochons à personne. Si tu veux t'accrocher à Dani Scorpio, c'est tant mieux. Mais respect. OK? On dit en anglais, « Bird of a feather flock together », les oiseaux de même niveau ensemble. Si tu as trouvé qu'il a une méthodologie qui te convainc, c'est tant mieux. Mais je dis, « Bird of a feather flock together ». Moi, je recommande que chaque personne prenne ses responsabilités. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Voilà. Balas, le Camerounais, nous dit, « Flora Zomo, est-ce que développer une indignation collective contre ceux qui ruinent notre pays ne serait pas idoine? Le seul Cameroun qui ne dispose pas de motifs d'indignation fait partie de ceux qui profitent de la malgouvernance. Ok, bon. Il y a Lyon Dezier qui dit « La meilleure stratégie, c'est former ton groupe de 5 winners et agir en solitaire. » Voilà! Parce que, écoute, tu veux les gens en qui tu as confiance. Tu ne veux pas que quelqu'un infiltre ton milieu. Tu veux contrôler les distractions. Et vous êtes focalisé, vous êtes concentré sur la mission. Pas de distraction. Hein? Il y a trop de distractions là-dedans en ce moment. Voilà. Stéphane, ça nous dit, moi-même, d'abord, je suis prêt à mourir pour mon Cameroun. J'attends personnellement le coup d'envoi. OK. Mon frère, mais je te conseille, Stéphane, je te conseille de former ton groupe. Je pense que tu es un leader. Hein? Je ne peux pas encore parler de winner ou de loser avec toi, mais je pense que tu dois former ton groupe. Forme ton groupe et mettez-vous au travail. N'attends rien de l'autre. Pas de critiques. Ne portons pas de critiques sur les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train d'imposer notre humanisme. L'acte que nous allons poser à travers la désobéissance civile, c'est imposer notre humanisme. Donc, quel que soit le régime, quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, nous allons nous respecter. Nous aurons des standards connus. Pas une justice à double vitesse, où certains peuvent bloquer les rues, brûler les maisons, casser des ponts, on ne fait rien. Faire venir des faux observateurs de Transparency International, voler l'argent de la CAN, voler l'argent du COVID, et on ne fait rien. Mais aller interpeller d'autres parce qu'on veut intimider le peuple. On veut dire au peuple que tu n'as pas, que ton éducation ne sert à rien, que tes efforts pour améliorer ta condition ne servent à rien. Tu vas te développer comme tu veux et on va te froisser, on va te marcher dessus. C'est pourquoi un analphabète, un cancre, parce que là, le titre de ministre peut dire à un agrégé, avocat international, et des professeurs qui vont les apporter au tsunami. C'est inadmissible, monsieur. Nous devons leur dire, monsieur, visage ouvert, ce que vous faites là est ce qui ne va pas se faire. Ça ne va, c'est une
qu'on ne va pas avaler. Il faut que cela soit dit. La mort n'effraie personne. Chaque être humain a une date d'expiration. À la naissance, c'est garanti que tu vas mourir. La mort, c'est la seule porte de sortie de cette vie. Le jour où vous n'allez plus me voir, c'est que je suis mort. Paul devait mourir un jour. Paul devait mourir un jour. Où est Mobutu? Où est Aïdjo? Où est Mitterrand? Où est Jacques Chirac? On ne fait pas que quand même la mort. Mais nous devons nous rassurer que ceux qui rêvent gérer la chose commune dans notre pays puissent respecter les êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne prends pas ton titre pour croire que tu vas marcher sur les autres. On t'éteint parce que c'est le peuple qui est ton patron. L'administration publique, c'est pour les incapables. Je vis dans un pays où tu peux avoir le titre de ministre de tout ce que tu veux. Écoutez, les génies sont dans le secteur privé. Quand tu es capable sur le secteur privé, tu inventes quelque chose. Tu imagines quelque chose et tu emploies les autres. Pas voler l'argent des Camerounais et les marcher dessus. D'où vient-il que les ministres soient milliardaires? Hein? Mesdames et messieurs, c'est une question d'humanisme, ce n'est pas le bruit. C'est une question d'humanisme. Mais écoutez, les Alain Touré, c'est des professeurs. C'est les gars qui se sont battus à améliorer leurs conditions. À servir d'exemple à la jeunesse. Dire que c'est possible de naître au Cameroun, d'aller étudier ailleurs et de venir améliorer la condition intellectuelle de tes semblables. Et de travailler avec les autres pour améliorer la condition de la cité. Mais une bande de losers, des animaux à visage humain, qui se voient dans nous, c'est parce que ces gars qui dirigent aux riches, qui sont au pouvoir, c'est parce qu'ils sont des animaux à visage humain qu'ils imposent ce degré d'animosité sur le public, qu'ils veulent que vous vous prenez aussi pour des animaux. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font. Il y a des Camerounais qui sont en train de travailler pour améliorer la condition de vie des minorités sur la planète. Parce que le monde, mesdames et messieurs, le monde est devenu un village global, divisé en deux groupes quand il s'agit des êtres humains. Tu as d'un côté les blancs, le reste, c'est les minorités. Donc le Camerounais n'est même pas la compétition du Camerounais. Ne vous trompez pas. Les losers vous divisent encore là-bas. Le monde est déjà divisé. Mais nous avons un des nôtres qui a développé une super application. À ce jour, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez que des applications. Mais il y a une super application qui sort à la fin de ce mois. Ça s'appelle Kezan. Ça va améliorer les conditions de vie de tout le monde. Et des individus et des gouvernants. Parce que ça va encore créer la transparence. Ça va créer la confiance à cause de la transparence, de la responsabilité, de la traçabilité. Vous comprenez, les gars? Attendez un instant. Donnez-moi un instant. Là. Je vais... Oh là là. Attendez un instant. Je vais faire ceci. Je vais un peu jouer cette publicité-là pour vous permettre de comprendre un peu ce que c'est que Kezan. Ça sort à la fin de ce mois. Restez scotchés. Est-ce dans ce monde où nous voulons vivre? Et si on vous donnait la clé d'un monde où vous pourriez vivre en toute sécurité, où vous auriez plus de temps et plus d'argent pour en profiter? Le 31 décembre 2021, révolutionnez votre vie. Donc, mes frères et sœurs,
Je pense que la personne qui a posé la question sur l'explication de Wina pourra recevoir ce live parce que nous sommes déjà presque à la fin. Merde. Ne répondez pas à Pat Tangana. Je vais prendre soin de lui après. Allez voir. Bon. Pat Tangana. Écris encore. Écris même seulement un point. Je saurais que tu es fort. Vraiment de Dieu, les losers. Ça dit que. Vous voyez les losers? Ça, c'est pas le plateau. Hein? Notre amie amoureuse de ma vie dit, mon groupe de 5, je peux dire que je les ai déjà, je vais les mobiliser, mais je souhaiterais aussi, bien que nous tous, winners, travaillons en groupe discret avec vous, de façon à ce que rien ne se sache, plus que par les losers, afin que le soulèvement les supprime. Oui, bon, maintenant, si tu as déjà ton groupe de 5, demande à chaque personne des 5 de chercher aussi 5, ok? Et puis, mets-toi au travail, mets-toi au travail. Ne cherche pas à savoir quelle collaboration tu as avec moi. À un moment, je vais lancer l'appel. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que le groupe que tu es en train de créer, la amoureuse de ma vie, ce n'est pas un groupe qui va se limiter au processus de libération politique. Ça sera aussi la libération économique, la libération intellectuelle. Tu comprends? La libération relationnelle. Ça sera aussi une vie améliorée qui trouve un support sur des gens semblables. C'est une famille que tu es en train de créer, en réalité. Donc, voilà comment il faut penser quand tu crées ce groupe-là. Donc, il faut vraiment que ce soit des winners. Élargis ton groupe. Et tu peux me inbox pour que je garde contact avec toi parce que je vais t'évaluer. Tu comprends? Sois le capitaine de ce groupe que tu as, élargis-le. Si vous voulez m'impliquer, moi je ne demande pas que vous m'impliquiez. Mais vous voulez m'impliquer, sachez que je vais vous évaluer. Hein? J'ai appris à évaluer les losers, les winners et les spectateurs. J'ai appris à le faire. Je vais t'évaluer et puis nous aurons une conversation particulière en fonction du résultat. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Créer le groupe. Ce n'est pas seulement pour cette libération-là. Oui, c'est aussi partager les techniques. Parce que le monde devenant un village global, nous devons inspirer une communication particulière. Nous devons inspirer une communication qui crée de l'énergie. Une énergie qui nous permet d'être efficient, effectif et de marquer l'impact partout où nous sommes. La terre est aux hommes, n'oublions jamais cela. Personne ne choisit la couleur de sa peau, personne ne choisit son lieu de naissance. Et c'est un groupe de véritables winners, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui croient d'abord en eux, en leurs habiletés, et aux possibilités que la nature offre. Multiservice, toi, tu vas suivre ce live après, ok? Tu viens à la fin, tu poses beaucoup de questions. Je te conseille de suivre ce live après parce que je ne veux pas faire des va-et-vient comme ça, là. Ça c'est pas gentil. Nous avons 74 personnes là. Je ne peux pas être en train de recommencer. Beaucoup sont là, accrochés depuis. Vous voyez? Donc vraiment, de grâce, tu pourras suivre le live. C'est 1h44. Est-ce qu'il y a une question sur ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est créer un groupe de gens comme toi pour la libération
tu vas dans ton téléphone, tu cherches 5 personnes qui sont comme toi, en termes de caractère. OK? Des gens qui sont comme toi. Tu leur dis que voilà, les gars, voici notre mission. Chaque personne entre vous aussi apporte 5-5-5. Et ainsi de suite. Les gens peuvent être de n'importe où dans le monde, mais sachez que nous aurons une connexion digitale. Nous aurons une connexion digitale et encore une fois de plus, je ne veux pas être impliqué, mais si vous voulez m'impliquer, je vais évaluer le leader du groupe et nous aurons une réunion avec l'autre groupe dépendant du résultat de l'évaluation. Il faut savoir se fabriquer. Il faut savoir se fabriquer. Surtout dans un monde bourré d'opportunités où les autres travaillent des pieds et des mains pour nous diviser. Hein, Stéphane Son. Stéphane Son dit, je suis un guerrier, mais je n'ai pas peur des losers. Je suis prêt à les choquer jusqu'à la libération de mon pays, le Cameroun. Stéphane, crée ton groupe. Stéphane, crée ton groupe. Hein? Stéphane, crée ton groupe. Crée ton groupe et tu me fais signe si tu veux. Si tu veux. Crée ton groupe. Nous devons libérer ce pays-là. Personne ne devrait marcher la tête baissée. Tu as le droit de faire des erreurs. Hein? C'est ça. Mais sache que les winners sont positifs. Les winners voient toujours le verre à moitié plein. Les winners sont optimistes. Les winners comprennent que l'espoir n'a pas de ligne d'arrivée. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. C'est les losers qui vont vous dire que on a commencé ce combat depuis et puis quoi. C'est les losers. On fait ça depuis ça, de quoi. C'est les losers. Nous, les winners, nous comprenons qu'un chemin sans embûche n'amène nulle part. Nous comprenons les embûches. Mais c'est que ce type d'embûche-ci, où on déshumanise les gens, est flagrant. Il faut mettre un terme à ça. Si c'était le combat politique comme tricher, bon, c'est le tricheur. Il permet la liberté d'expression. On débat, on discute. Tu comprends? Mais aller jusqu'à bloquer les gens, les emprisonner, quand nous savons que le temps est le seul ingrédient qu'on ne récupère jamais. Tu peux être foiré aujourd'hui. Tu peux être sans argent aujourd'hui. Et quelques jours, quelques années, quelques semaines plus tard, tu deviens multimillionnaire. L'argent se travaille, ça se gagne, ça se perd. Mais le temps se perd seulement. Le temps se perd seulement. Ça ne se gagne jamais. Quand tu as perdu le temps, tu as perdu. Le temps que vous m'avez consacré, le temps que nous nous sommes consacrés, c'est un temps qu'on ne va plus jamais récupérer. Le temps ne s'épargne pas. Vous mettez les gens en prison? Non. Les gars, organisons-nous. Chacun ici, c'est un capitaine. Chacun ici, c'est un capitaine. C'est comme ça. Et on va causer. Soyez des capitaines et faites ce que vous avez à faire. OK? Demain, je vais revenir sur les PowerPoint parce que je crois que demain, je vais émettre de la maison. Et donc, c'est là où se trouve le PowerPoint. Je vais revenir là-dessus. OK? Je vais revenir sur le PowerPoint. Et puis, vous allez voir comment partir de la théorie, partir de la base de 5, on peut avoir un groupe de plus de 1000 personnes et créer un impact. Nous sommes tous nés de la même façon. Nous sommes tous nés de la même façon. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Qu'on ne nous vende pas des enchères. Vous comprenez? Nous sommes tous nés de la même façon. Que ce soit Paul Biya, que ce soit Kava Egedibri, que ce soit n'importe qui. C'est sans caleçon, c'est muet, c'est stupide. Quelqu'un doit t'éduquer pour que tu sois en mesure d'écrire et de lire. Pour que tu sois en mesure de porter un vêtement. Quelqu'un doit t'éduquer. Et chaque être humain à une date d'expiration. La seule porte de sortie de cette vie, c'est la mort. Tout le monde va mourir. Et donc, on n'effraie personne avec la mort.
On ne fait personne avec la mort. Vous comprenez, les gars? Ne vous laissez pas effrayer par la mort. Notre ami Ginga Sadi, si nous comparons le combat de la libération du Cameroun au foot, comme pour rester dans l'actualité de la CAN, je dirais que le milieu de terrain, c'est Douala, la défense, c'est l'Ouest et le Nord-Ouest. L'attaque, c'est Yaoundé. Alors, sachant que si le milieu de terrain et l'attaque résistent en face, c'est quoi? C'est Toto le mangeur. Bon, j'ai pas compris. OK, les gars. Bon, demain, mon cher multiservice, ce que tu peux faire, s'il te plaît, pour me rendre service, il faut me suivre sur Nestor Nana l'humaniste et tu me mets sur notification. Comme ça, quand je sors, tu es notifié. J'ai des conflits d'emploi du temps en ce moment et je ne peux pas te donner une heure exacte, mais je vais sortir demain. Je vais sortir demain. Je suis en train de projeter 23 heures temps de New York. Il serait 6 heures à Douala. Donc, je vais faire une sortie pour continuer à sensibiliser. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est aider les winners à comprendre qui ils sont afin qu'ils puissent vraiment se mettre au travail et faire ce qu'ils savent faire. Vous comprenez? Nous n'avons pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais quand je vais mourir. Et nous avons vu des gens mourir partout, dans des avions, étant en première classe. Kobe Bryant est mort dans son hélicoptère. Multimillionnaire. Il amenait sa fille aux entraînements de basket. Parce que Los Angeles avait trop d'embouteillages. Il prenait dans son hélicoptère pour aller. Vous comprenez? September 11, le World Trade Center. Ceux qui travaillaient là-bas étaient les grands salaires. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas faire comme si tu protèges ta vie. Je ne dis pas d'aller sauter dans le feu, non. Ce que je dis, c'est que nous nous organisons pour revendiquer notre humanisme, pour mettre un terme à la fin de l'esclavage. Ce qui s'est passé au Cameroun mérite du répondant, un répondant qui est musclé, qui ne se cache pas. C'est une opportunité de parler aux futurs dirigeants. Parce que l'acte qu'ils ont posé s'adresse à nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas à ceux qu'ils ont condamnés. C'est tout. C'est pour dire que ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Donc, désobéissance civile. On marche sans demander la permission. Organisez-vous. Chacun ici, c'est un capitaine. Que chacun forme son équipe. Hein? C'est la base des cinq. Théorie du cinq à la base, c'est tout. OK, les gars? Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre temps. C'est toujours un plaisir, un privilège de vous parler. Et on se reprend demain. Merci pour tout. Est-ce dans ce monde où nous voulons vivre? Et si on vous donnait la clé d'un monde où vous pourriez vivre en toute sécurité, où vous auriez plus de temps et plus d'argent pour en profiter? Le 31 décembre 2021, révolutionnez votre vie. Juste un dernier point sur cette invention. C'est une opportunité que l'on a ouverte à tout le monde. OK? Ça va fonctionner sur les 5 continents. Et ce n'est pas discriminatoire. Tu pourras faire ton business là. Tu pourras gérer ta maison, gérer tes entreprises, collaborer avec les autres. C'est une opportunité en or. OK? C'est des Camerounais en majorité, parce qu'il y a des Français et des Américains là-dedans. C'est les Camerounais en majorité qui ont décidé d'améliorer la condition humaine. C'est les humanistes. Donc, le 31 décembre, restez scotché. Le lien sera sur Nestor Nana l'humaniste. Vous cliquez, vous téléchargez sur votre téléphone Android et c'est parti.
Et c'est parti. Et je vais de temps en temps parler de l'entrepreneuriat digital. Je vais de temps en temps venir expliquer comment l'utiliser. Je vais faire venir des experts de l'organisation. Je vais faire venir les membres du board pour qu'ils aient la communication avec nous. Et si vous allez dans mon profil, vous allez vous rendre compte que j'ai eu à interviewer le fondateur, le docteur Severin Cousin. Passez une bonne nuit, mesdames et messieurs. À la prochaine. Merci pour votre temps.